Pour l'unboxing de ma de mon clavier et de ma souris, donc je vais juste prendre mon petit cutter. Donc il s'agit de la G300S, je sais pas si vous verrez bien sur la caméra, et du G510 pour le clavier. Donc on va ouvrir tout ça, évidemment. Bien sûr, je vais essayer de faire ça dans la caméra parce que je suis tellement pressé de les ouvrir que je partais déjà en couille. Tac. Essayer d'ouvrir tout ça de manière plutôt correcte. Donc je les ai pas encore ouverts, donc je vais découvrir en même temps que vous. Ouais, donc je sais pas si vous voyez bien à la caméra, je sais pas trop, étant donné que j'ai dû la mettre près de ma fenêtre en vitesse. Donc voilà, ouais, très bonne prise en main, des petits boutons là ici. Donc je sais pas si vous voyez très bien, on a, disons, tous les petits boutons. Je vous remontrerai tout ça en détail. Donc voilà, ça c'est la petite G300S, donc la souris. Et on va ouvrir tout de suite derrière le clavier, bien sûr. Ça, je l'attends plutôt parce que c'est quand même des claviers assez chers. Donc c'est du Logitech, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé, j'ai déjà oublié. Rendez-vous compte de ce que j'oublie, à quelle vitesse j'oublie. Donc, G510S, il a une sale gueule, hein. Honnêtement, il est très 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 beau. Enfin, sur l'image et sur les images que j'ai pu voir. J'ai même pas été voir de vidéo à propos de tout ça. Donc voilà, je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Donc tac. Wow. Ce clavier est un monstre, les gars. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si la caméra sera assez grande pour vous montrer. Donc déjà, on va. Viens ici. Tac. Voilà. Donc on va le déballer, hein, bien sûr. Sinon, ça n'est pas intéressant. Wow, il est énorme, hein. Honnêtement. Ouais, donc on va le monter un minimum correctement. Donc, tac. Où est le petit pied? Là, voilà. Donc, il est assez lourd, assez imposant quand même. Honnêtement, je me demande si on ne peut pas le monter un peu plus. Je crois que non. Bon, bref, en soi, il est très très bien. Ouais, très très bien, c'est un... Ouais, on a un très grand confort, donc au niveau des touches, je le sens un peu plus dur que le clavier que j'avais avant. Ouais, bah bon, très très bon clavier visiblement. Le prix me l'a indiqué aussi qu'il avait intérêt à être bon. Enfin bref, donc je vais juste prendre la caméra tout de suite, donc vous étonnez pas si ça bouge un peu dans tous les sens. Hops, voilà, théoriquement, on peut se permettre de dézoomer, donc voilà. Le clavier, à quoi est-ce qu'il ressemble en gros? Donc, on a quand même un paquet de petits boutons programmables ici. Donc la ZQSD en couleur, c'est normal. Les petites flèches aussi en une autre couleur. Bon, on a de quoi régler le son et tout par là-bas. Oh, excusez-moi, le téléphone sonne. Je vais faire une... Enfin, je vais peut-être faire des ellipses, ça devrait aller. Je pense qu'on l'entend pas trop fort. C'est rien, ça sonne, mais bon. Et voici la souris, donc de toute façon la vidéo va pas tarder à toucher à sa fin. Donc visiblement très bonne souris, je vous en reparlerai sûrement in-game, hein, bien sûr. Enfin bon, voilà. Mais voilà, ça a l'air d'être une très bonne souris. Donc vraiment beaucoup de boutons programmables, donc tout ici, c'est vraiment tout ce qui est programmable au niveau du clavier. Et puis on a encore 18 boutons ici sur la gauche, donc vraiment très intéressant pour des gros jeux. Je sais pas encore lesquels, parce que je sais pas. Pas trop, bah pour du Minecraft modé, avoir tous les boutons, ça peut être vachement intéressant. Ah bon. Voilà, donc c'est tout pour la présentation du clavier et de la souris. Bah, je pense que je vais vous laisser là. J'ai rien d'autre à dire pour le moment, parce que je ne vais pas les tester en live, c'est un peu inutile, mais bon. Je vous en reparlerai in-game, je pense, dans une game d'Hearthstone, ou quelque chose comme ça, où je peux vous parler plus simplement. Donc voilà. Sur ce, je vous dis, eh bien, n'hésitez pas à laisser un like, à aller voir les vidéos de mes confrères, donc TheRotiSeb et Captain's Player, et bien sûr de partager le contenu, de vous abonner à la chaîne, et ciao tout le monde.